Bonjour, bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz. Tous les plaisirs est pour moi de vous avoir encore une fois de plus très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette émission ActuBuzz. C'est rendez-vous du décryptage et de l'analyse des faits d'actualité qui se passent ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la vaccination contre la COVID-19. Beaucoup de pays ont suspendu la campagne de la vaccination. Pourquoi? Il semble que les vaccins posent un sérieux problème de la santé. On parle de la coagulation. On va donc tenter au cours de cette émission de décortiquer cette question. On va aussi aborder la question du retard dans la sortie du gouvernement. Nous apprenons les blocages dans des formations politiques. Ensemble, qui n'a pas encore transmis sa liste, UDPS, MLC, toutes ces formations politiques, membres de l'Union sacrée, tardent à transmettre leur liste au président de la République. Et puis on va chuter avec des réactions. D'abord, je vous annonce que j'avais reçu il y a quelques semaines Étienne Kabila. Il avait dit, il avait fait des révélations concernant la famille Kabila, l'origine de Joseph Kabila, la mort de Laurent Désiré Kabila. Et aujourd'hui, il va revenir encore avec force et détail par rapport à tout ce que vous avez avancé comme contre-vérité, à ce que lui avait dit. Et avec lui, on va aussi faire les points sur vos messages, vos suggestions, vos contre-vérités, comme je le disais tantôt. On va aussi faire le point sur l'insécurité, mais aussi les dégâts causés par la pluie qui s'est abattue à Kinshasa. C'est mardi 16 mars. Étienne Kabila, bonjour. Bonjour. Nabadil, sous question, il y a l'autre fois. Qu'on tourne l'émission en français ou en lingala? Très bien. Tout le monde a dit que c'est la vaccination. Bon, avant la vaccination, on a tout ça. D'abord, les points sur ma Kabamboula. Mboula est qui mardi 16 mars, pendant la matinée. Et après Mboula, bah, dégâts, comme toujours, dans la ville de Kinshasa, mais cette fois, c'est un peu beaucoup plus grave. Pont Ouézavère, Pont Ndjili, dans le boulevard Lumumba, on est là, tout dans l'aéroport, on est là, on est là, on est là, on est là, on est ville. Pont Iboukani, on est là, on est là, on dans une semaine, Nakata Kinshasa, Banzele Bele, Tondi boulevard du 30 juin, circulation d'Aki, très difficile. Naki Senso, tu as enregistré 4 morts. Il y a famille Mokom, c'est l'emba où il semble que Moutou Moura pas koufi. Banzela, moyen au temple les athées, ba jeune gens, se transformer, na ba véhicule, na ba moto, Moukongo, na ba ngonde, ba komiko mema ba. Au fouti 300 francs, 500 francs, ba memio au traversé. Alors, de manière globale, s'il faut faire une analyse par rapport à Makambo et Samina Kinshasa après Mboula, to remettre responsabilité, n'a pas acteur politique, n'a pas urbaniste et tout, n'a pas architecte. En fait, vous savez, le plan du développement d'un pays doit s'étendre au-delà d'une mandature. Vous voyez, on a un stylo rouge. Vous voyez, pour la correction. Oh. Mandat y a mon professeur. Mandat y a bateau et sous il y a gouvernement et sous kakaté, pardon, projet y a développement et sous kakaté prend un mandat. Et qui n'a qu'au-delà d'une mandature. Vous comprenez? Balobi, oh, qui n'est pas péto? Est-ce que qui n'est pas propre? Qui n'est pas immondice partout? C'est la ville la plus sale dans la République du Congo. Parenthèse, d'abord, bureau et gouverneur Ngobila Yemo, sont boule bêti, à quoi t'arrêter? C'est quoi? Balobi, vous voulez ça la marawana? Bazo Bongisa, Bago Bongisa Kinshasa, Wapi, qui n'est pas péto, Wapi Kinshasa. Il n'y a pas de canalisation. Tout est à refaire. Il faut avoir la canalisation à Sika. La canalisation à Miké, c'est là qu'on les a déjà bouchés. Mboula ta bété à Moukeka à Kinshasa, tout. Maï. Ils ont sous les eaux. Vous comprenez? Alors, Kubongisa Kinshasa, ils ont blagué. Il faut qu'il y ait un plan d'urbanisation. Il y a Sika, Poto Banda Kubongisa, ville de Kinshasa. Kinshasa est très surpeuplé. Il y a des quartiers où, Béja, le Baga, le quartier, ils sont inhabitables. Bapé, c'est pas tout Bandako. Vous comprenez? Ce que le Batouba Tongi est anarchiquement. Basé le nom sur ce qui est à côté et Kangi ba canalisation à la nuance. Parce que canalisation, c'est un miké. Dans le baga toujours, sans te réfléchir bien, na Congo, il faut te construire capital Moussousou. Pourquoi il y a un projet ou non? Il faut te construire capital Moussousou. Pourquoi? Parce que Kinshasa, ils ont répondu de Soussouté dans la norme à la capitale moderne. Il y a un surpeuplement à Kinshasa. Tu m'en as Tongo, même direction, Même le problème des transports ne sera jamais résolu aussi longtemps qu'il y a surpeuplement aux Alliés. Ou bien, Bobanou Kotonga Banda Moussous, par exemple, Babalabala Moussousou, par exemple, la commune y a Makala, Boboki Bandako, vous tracez boulevard. Boboki y a la commune, vous tracez boulevard. Ça va coûter trop cher à l'État. Oui, mais si Bobanou Kotonga ville Yassika, ville Yassika, influence à Kinshasa, Oyo, et qu'on diminue. Bato okulukaba ki na capitale na place na place na mususu. D'abord, si on construit capitale à Sika, et qu'on exige un chômage.
parce que bah électricien, bah plombier, bah maçon, bah charpentier, bah beaucoup de choses comme ça là. Vous comprenez? Chômage qui diminue peine à payer. Ce que ce qu'on t'a fait le projet, on a zoka nisaka, il faut lancer le comme quoi amouké. Des horizons là, il faut lancer le comme quoi pour pas voter. C'est ce qui fait que aux hommes on a bah nani bah nani bah député, azo qui est de kuna, à comme au sala travaux yanani ya balabala yemo ko député na batuna yomani ngazo bongsa lingwa la awa non c'est ça c'est la démagogie au bongsa lingwa la té il faut un plan de gouvernement pour nzela ezala bien les banso ezala bien pour Kinshasa e bonga yomo ko député ko sa eloko moko té est-ce que na kotonga ville ya sika na ko réaménager d'abord Kinshasa qu'est-ce qui est prioritaire kotonga ville ya sika parce que toi ba nzela belé ya ezala ba route secondaire na plus exemple batu ba na Kisenso Bao baninga otambola makoloté kwa kende campus fois qui t'appar matété a matiron ponga bodo mon ta contourné mais oh à partir qui sens on dira mon réseau relié par mon qui sens on a campus ndira on a misalé bandaki mais un moment donné bakati misala raison et banité ndira ngo ebukani li sous ces sali ba érosion est-ce que en lieu place to banda ko penser ko tonga ville ya sika pourquoi n'est pas ko tonga d'abord ba route secondaire tout désengorger banzila minene c'est ce que je disais tantôt que moni Kinshasa Baba la barre amike. So bosa la canalisation, il faut voir ko buka banda ko mususu. Il faut qu'il y ait tout un programme de gouvernement pour ko bongisa Kinshasa. Ezate ke po boke na commune simplement ko boye, balongoli ba matiti wana, ba bongisa mo balabala wande ko trouver solution pour na Kinshasa, ko trouver solution te. Il faut vraiment un budget pour ko construire Kinshasa. Bo bandi ba balabala ya sika. Ba sali 2 ans. Ah, ce gouvernement fait plus de 2 ans. Ba tonga ta balabala mo côté. Ba bongisa le mort. Et l'autre côté Cela veut dire que tu as tourné caca en rond. Tu as tout mais comment propagande à Batou, à que place moko boye na commune moko appelé ma maman, ma puta, je viens député appelé ma maman moko ma puta. Pour Batou, pour voter, na mandat monsieur Koya. Est-ce qu'il y a des problèmes ya maman on est ici? Est-ce que d'abord ça c'est rôle d'un député? Au moins de démagogie place ça. C'est pas rôle d'un député. Bah moko balobi ba député, bah comment jouer le rôle ya assistant social. Et l'autre côté, député Moussala Naïe, ils ont dit qu'on votait la loi y a bien aux en faveur du peuple. Pour contrôler puis exécution la loi. Ils ont contrôlé l'exécution de la loi. Wana. Moussala député, ils ont dit qu'on interpellait le pouvoir exécutif à ça la bien. Sauf à ça la bien, à interpeller le sous-soi à ça la mieux. Ndéro le député. Sauf mon député, au temps de la balabala, à bon, c'est la balabala, tout ça, c'est la démagogie. Ils ont dit qu'on s'abat, parce que tu vas éveiller, on peut pas voter le sous. Alors, Lélo, comment, dernière question, comment trouver la solution dans ma inondation, ma dégagnée sur tout le monde après Moula, parce que je tonga vanda ou Lélo, Dicolo, ma caniveau, ma canalisation, ma maya, ma tonga vanda ou Dicolo. Sur Lélo, tu as trouvé une solution d'ingéni. Dans le bagage, il y a un stylo rouge. Je vais bien plus. Je vais moi deux trois minutes. Oyebi, le président a dit dans le discours, il y a le gouvernement où il y a, il y a un gouvernement de guerriers. Gouvernement est bateau va couider pour te changer pour ton gamboka. Vous comprenez? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Azan va tout. Vous comprenez? T'as le ministre n'est pas le caca. Le ministre Oyo. Depuis Ngana Banola na makamba politique, je n'ai jamais vu un seul ministre de sport na ebiété. Ah bon? Juste le caca. Salakomo kasu ebiété. Na ebiété. Dedi Kambay. Na ebiété ministre Mokoto. Na ebiété ministre de football. Oh. Bah, il y a un ministre de football. Ministre Nyon Sakole, qui a problème avec le football. Au second, on a battu les qui se posent des questions, il y a un ministre. Rien. Au second, on a jamais eu un judoka. Rien. Au second, on a un football. Kaka. Et puis, football, il y a un mouké, kaka. Battre la équipe nationale, c'est Mazimbe qui est parti quelque part. Des ministres. Est-ce que ministre, Babenga Kainin, Babengi est ministre des sports. De la jeunesse, des sports et loisirs. Loisirs, n'est-ce pas, on a un peu la jeunesse des majorités à population va bénéficier à Kani na ministère wana à recevoir kaka ba footballeur pas d'autres faire de gouvernement ko bakaboli ya mon jeune il y a part et ça le ko la ministre mususu ministre o ya musicien va bien gagner ministre culture te musicien non pas ministre culture te culture et art ministre des musiciens aussi on a rambié ta batu bande dessinée Ar nini bango batalaka. Batalaka ka, akurisifara ka ba musicien. Ministre soa le kika ka, abengi ba musicien. C'est un mouké ba ta théâtre. C'est un mouké. Voilà, mouké ka ndo lobi. Donc c'est un ministre de musicien. Ozo kompo, comment ba tu baza ka borné? Si ko ba artiste nous baza kuna, pa ko bongate na vie na bango, parce que nous n'avons pas encore de ministre, ya nini ya culture et ya. Ozo comprendre? Ba ministre na biso nyo so baza la ka très borné. Na peso exemple mousou, ministre enseignement, sa la gani. Ministre d'enseignement primaire et secondaire. Til est l'eau. Au bas, ministre, nous sommes en train 0 sur 10. Des prix, ceux qui sont en train ici, ils face à dire, til est l'eau. Tout ça, ministre qui a football. Ministre sport, la réalité. Au côté d'enseignement, til est l'eau, banana biso.
bazo tangara au gré de vague, ils sont tangara kala. Récit de grammaire française, et banal 1939, sur 36. Si les lois tangara kala livre wana kala, les professeurs bazo rapi, et c'est beaucoup adapté en gauté en français, ba congolais en français, mais ko bana bana ko comprendre pe cours en go bien te. Ba bana comprendre cours bien. Vous comprenez? Mais bazo wé la, ba kota ba ba koma nini, ba koma ba koma ba koma ba koma nani ba ministre. Vous comprenez? Les lots, par exemple, aux autres, aux années, dans la section littéraire. Dans la section littéraire, aux autres tangs algèbre. Aussi, les classes, au commis l'université, au commis, je ne sais pas, maître avocat, je ne sais pas, au commis ministre, et algèbre, observeront. Donc, tu as la méthode de scolarisation, oh, il y a Kalawana, ou la Belgique, tu as la biseau, tu es là. Cela veut dire que, ceux qui ont échoué, si vous avez cité dans l'algèbre, ils ont échoué, puis ils ont capé classe. Vous comprenez? Moi, on a continué la classe parce qu'il y a les gars qui sont français, mais il y a continué la français, il y a eu un côté algèbre, a échoué, a équipé classe. Bah, il y a eu délinquant. Vous comprenez? Cela veut dire que, méthode de scolarisation, il faut tout changer encore. Très bien. Parce que, bah, ministre, on a un autre, il faut savoir encore combien. Il faut savoir, bah, 0 sur 10. Cela veut dire que les chefs de l'État, ce gouvernement, vous mettez la raison, les chefs de l'État doivent tamiser à cause de la nana, ni pas homme capable à cause de la place où on a. Moutazo, un ministre, aïe, Azo, le cas d'un ministre, Azo, t'en as planté. Projet est à mon côté. Mais il a un diplôme. Vous comprenez? Azo, diplôme docteur en toi, mais docteur en Salané. Hein? Moutou a bandi, Moutou Salané, politique, il avait 35 ans, le loi a couffé, Azo, il a 84 ans. Autant l'histoire, n'est pas ça, il a comme côté de la politique. Mais pour expliquer au cas qu'on a un premier ministre, un commissaire d'État, un PDG, un bonabou, payé bénéficiaire de l'eau à mon côté. Vous comprenez? Ah, donc, c'est un problème sérieux. Il faut totalement vous dire il faut que ça balabala. C'est parce qu'on n'a pas des hommes responsables pour nous bongisa mboka na biso. Na mitu na sema mboka tu abata mele te. Bah c'est belé. Mais il faut président Lukabango. Soit tamaye le problème les attend président pour Ozoya ti à responsabiliser à comme les gars la président. Effectivement, ce qui n'a pas par exemple le président Félix ne suffit pas. Le président Félix Tshisekedi ne suffit pas. Au moment où on a dit à son excellence, monsieur le président de la République, président, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, chef de l'État, je ne sais pas, tout ça c'est quoi? Et comme le roi a déjà l'élo. On se comprend. Donc, tu vas aider le président. C'est pourquoi le président Lobaki a un gouvernement. Il a besoin de guérir. Il va aider dans ça. Cela veut dire que Batou, Bazate. Le président, il faut le Kabango. Question directe. Est-ce que Étienne Kabila vous a disposé à collaborer avec le président Lelo? Mais il y a qui a adhéré à l'Union sacrée. On se comprend. Mais vous avez un problème très sérieux. Puisque le conseil, vous avez un conseil. Vous avez dit, ok, si on est président, le président a conseillé. Mais vous avez conseillé. Ce qui va nommer Étienne comme conseiller, nga nyonso ou yana domaine ba nommer fona ibisaye. Aza la contre aza la pour. Moi j'ai fait mon travail na ibisiye. C'est tout na vanina nga. Ce qui a ça soit ça c'est pas mon problème. Na zong na so ile comme souhaiter na ibisi payer. C'est tout. De musala ngwa, imagine toi, pardon, je vais terminer. Imaginez-vous le président était à l'ancelle. D'abord avant ça gnag na grand marché. Est-ce que makamaga marché ça pour le président? T'as là-bas responsable des grands marchés, le gouverneur, non, d'abord bourgmestre, après le gouverneur, entre bourgmestre, entre gouverneur, la chef de l'État, l'autorité comme il va en Katouane. Président, comment vous régler le problème des grands marchés? Président, comment il en scellé? Il va régler le problème des pêcheurs. Demain, il ira à Calémie, il y a aussi des pêcheurs là-bas à Calémie, le président va aller à Calémie à régler le problème des pêcheurs. Alors, j'ai compris que le chef de l'État, Azana va tout à coup aider. Mais ne soyez pas surpris que l'obi président comme pour régler le conflit parcellaire. Hein? Parce que vous avez pour ça, Bazate. Vous vous rendez compte? Tout le monde a sorti au gouvernement. Le premier ministre Sassama Lukonde est en place depuis plus de mois. Il a été nommé le 15 février, le 17 ou le 18 mars, je crois. Plus de mois pratiquement. Jusque-là, l'équipe gouvernementale n'a pas été limitée. Tu pensais que peut-être avant rentrée parlementaire, président, le premier ministre va se mettre d'accord pour la republier le gouvernement, mais rien n'est fait jusque-là. Et on apprend que le parti politique, le regroupement politique, Tisiko, va transmettre la liste de nanoté. Les gens qui partagent, qui postent, et comme ils posent des problèmes. Alors, on a mis tout la question. Tout le monde est en Union sacrée. Au départ, qui a ma promesse comme quoi, tu as aidé le président à travailler, tu as aidé le président à travailler, mais aujourd'hui, curieusement,
tout ça qu'on apprend que blocage est ça par rapport à répartition et à poste. Qui bloque quoi ou qui bloque qui? Mais c'est clair. Baya qui en politique, hein. Oui, pour un na franc parler. Parce que moi, je ne suis pas politicien. Politicien, je le suis peut-être par hasard. Parce que l'air a remarqué que les politiciens ont échoué dans la démarche de Bango pour dénoncer les origines de Joseph Hippolyte Kanembe, qui a dirigé Bissau. C'est politique. C'est pourquoi je dis que je suis politicien peut-être par hasard. C'est pourquoi j'ai un franc parler. Les politiciens, la politique, la politique, c'est la démagogie. La politique, c'est aussi les mensonges. Clairement, pour que expliquer la politique, c'est les mensonges. Bah, non, pourquoi ça? Somme ta salle parti politique naïe, et l'occasion de bosser à Nine, accession au pouvoir. Des courses à Salakawana. Mingia, au domaine de Bangouana, Nyonso, à la bataille à la poste. Bataille à la poste naïe. Si quoi, le balbagi, que tu es pour toi, des chefs de l'État. Le lieu comme il y a partage à Nini, il y a pouvoir. Il y a pouvoir. Il y a pouvoir. Il y a député. Il y a député. Quel est le projet que tu as pour le peuple? Et ça, nombre de députés nommés, dès que ça le aux ministères rébellés. Moi, je pense que ceux qui totalisent le Cambo bien, il fallait que le président Tika va député Bazakuna, les parlementaires qui ont parlé, le sénateur qui ont sénat à Bango, à sa équipe n'a pas gouvernement à Sika. Cela veut dire que tous les députés qui ont été nommés à Bango, à nommer tout le monde au Yoko Sana Bango. Mais qu'est-ce qui manque alors? Parce que un mois déjà, l'équipe. Un mois, le gouvernement a suspendu, mais... bon, une décision m'a cassé, et pendant ce temps, biso peuple né, tu dois continuer à souffrir. D'accord, mais moi, Ngana Ebaka, les latins disaient qui va sano, va piano, qui va doucement, va sûrement. Sauf à celle-là, comme on a l'ombre, on va mettre le gouvernement à Kaboué, ou comment on va mettre le gouvernement à Bienté, pour aller l'IPE. Oui, mais tu as les 2 ans et demi. Qu'est-ce que le président Fati va présenter? Deux ans qui est malin, malin, déjà un mois, il est déjà malin. Ça va vite. Ça va trop vite. D'ici là, au moins, un mandat pécile. Qu'est-ce que le chef de l'État va dire à la population? Et moi, je vais vous dire que c'est le gouvernement qui est le côté. Vous allez comprendre. Alors, ils ont là qui savent que c'est bien net, ils ont bien net, ils ont bien comprendre que tout le monde a bien sauté. Ils se battent pour leur ventre. C'est tout. Voilà tout. Est-ce que le Premier ministre est Moussa Maloukoune, est-ce qu'ils ont le gouvernement qui est bien sauté? Parce qu'on se demande, est-ce que ils ont vraiment la même mise, la même partage, la sélection, la nomination? Bon, na évité au ezo le kakuna, mais moi j'avais appris que balobaki que 8 députés est égal à 1 ministre. Moi je ne sais pas. Est-ce qu'on a des critères à recruter mon tour à côté d'un gouvernement? Est-ce qu'il a vraiment les capacités pour diriger un bon? Ça a un souci vraiment avec le parti. Au moins les partis politiques qui sont pour gagner élection, les amis. Parce que l'expérience n'a pas manqué. Je n'ai jamais vu un seul gouvernement d'union nationale ou je ne sais pas de cohabitation nationale et réussir pour changer un bon. Non. Mais ceux qui vont gagner l'élection, vous avez un gouvernement à Bino. Vous avez un parti qui gagne les élections, vous avez un projet de société à Bango. Vous comprenez? Les gens qui ont un gouvernement à Bango, vous avez un plan à gouvernement. Vous avez un projet à gouvernement. Vous appliquez très facilement. Vous comprenez? Mais ce que vous avez un ministre de la Santé, premier ministre de la Santé, à comment vous avez une fois ça? Est-ce qu'il y a un conseil au ou bien le ministre a présenté le programme au premier ministre contre? Et comment vous avez tant les sous? Des problèmes tous en aussi quoi. Vous comprenez? Donc tous en quoi tout le monde vit dans l'état d'urgence. Tout ça c'est quoi? C'est parce que plus c'est l'argent, les gens qui n'ont pas l'amour pour le peuple. Nathan O, ils avaient planté en quoi la postité. Nathan O, les Congolais devaient se dire que tous en quoi tout le monde va vivre dans l'état d'urgence. Tout est dans la même direction. Que je sois ministre ou pas, na même ta contribution n'engage. On est dans beaucoup de pays du monde. Mutako koma asali mémoire naie. Vous comprenez? Et quand tu peux un gouvernement, mettre en opération en application. Mais à ça, un gouvernement, vous comprenez? Si vous avez un gouvernement, il y a un gouvernement. Si vous avez un gouvernement, pour pas tout ton gouvernement. Pourquoi avant chaque sortie du gouvernement, surtout le gouvernement, il y a l'union nationale, la cohésion nationale, tu assistes toujours à l'épisode où vous avez un parti tel, a bloqué parce qu'il y a un ministère tel. Ou peut-être que vous avez un campé dans la position parce qu'il y a un ministère tel. Jusqu'à quand tu vas nous faire rythme? C'est ça le calcul politique. C'est un combat. C'est pourquoi il faut que tu vas nous faire un ministre, tu vas nous faire un point, tu vas nous faire un 0 et 0. Vous comprenez? Neti Christian Bosembe, na collègue, na kota qui est jour, na 8 sur 10. Oui, pour l'année. Pour l'année. Na mona ki la télévision, la émission, moko azo pesa ba tout la population. La notion élémentaire, il y a droit du citoyen. Vous comprenez? Bakangakamutu pour la nyongote, bakangakamutu pour l'abus du pouvoir. Pour bakangayo, police ou pas na kangayo, il faut un mandat.
Quelle est la souci de la police? Comment est-ce que le mandat est en train de se faire? Les familles sont informées. Au lieu Afrique du Sud, Tanzanie, Kenya, les droits élémentaires, tout est en train de se faire. Mais comment est-ce que tu es en train de se faire? Dans la avec beaucoup d'attention. Les Christophe se sont présentés. C'était une émission qui devait passer dans la chaîne locale RTNC. Pour que tu comprennes les droits de la police. Beaucoup de gens sont sous-soutés. Vous comprenez? À vous expliquer ce que c'est un avocat, ce que c'est un magistrat, ce que c'est un juge. Bah, tu vas pas nous vivons tous dans la confusion. Je ne fais pas la publicité. Et ça va donner la bazana droit au Sambisaï. Donc, bilo quand on se voit, baïe bakate, badouna bango baïe bakangote. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut vraiment tout changer, tout bon. Dernière question par rapport au Mambo à sortir au gouvernement. Etienne Kabila, aux oses et la nini concrètement le gouvernement au Ezoya. En fait, gouvernement, nous avons souhaité une bonne chance. Mais il y a tout à faire. Au début, gouvernement, ce que vous savez, c'est la honnête. Ce qui ne sera pas possible, ça ne sera pas possible parce que tant et en amont manqué. Vous comprenez? C'est pourquoi je disais que le projet, le plan de gouvernement, le plan de développement, il y a un gouvernement, ça doit s'étendre au-delà de leur mandat. Vous comprenez? Vous comprenez? Babunda, pour les véhicules quotidiens, c'est la priorité. Très bien. Les véhicules quotidiens, le route et puis la barbarie à l'est, il faut ici là. Très bientôt, je suis comme un vaccin à COVID-19. Tu vas prendre ma pays belé et suspendre la campagne de vaccination Danemark, France, ma pays belé. Bisopé en RDC, tu vas dans le 15 mars. Et après avoir connu Soana et comme il est à partir à Libanda, le ministère de la Santé a décidé qu'il y a pour suspendre la campagne de vaccination. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière Mambouya, vaccin ou la COVID-19? Dès que circulé dans le stylo Nanga Rouge, le ministre de la Santé a pensé que 0 sur 10. Docteur Etienne? 0 sur 10. Nous avons un bandel. Nous avons un bandel. Oui, que en août 2001, nous avons un fort pour le Kouana. Août 2001, les petits Congolais étaient administrés des vaccins périmés contre la poliomyélite. Vaccin périmé? Périmé. Oui, il y a un seul magasin vérifiable. Macha Komamba, ministre de la Santé, Joseph Hippolyte, quand même président de la République. Les petits Congolais ont un vaccin périmé contre la poliomyélite. Tout n'a pas parlé, le député Oyo, tu sais, le président Laurent Kabila avait fait un parlement de circonstances qui siégeait à Lubumbashi. Parlement et l'obéla Makambouana, il y a un vaccin périmé dans 2001. Mais le Joseph faisait déjà président à Nyata Yango. Tilelo. Vous comprenez? Je peux ouvrir une parenthèse. Oebi, Nabunda trop en appel. Naloba en gros, la deuxième lettre ouverte au peuple congolais. J'étais en Afrique du Sud. Avec les droits de YouTube, la KT, la campagne, la KT, c'était pas facile. Et le coup, il y partout. Mais il y avait une maison. La plus grande maison congolaise en Afrique du Sud, c'était ici TV. Il y a Petrus. Tout ça, la campagne devait de conscience patriotique. Na kote sa ba lettre wana pona nanu wana tobunda tisima ba groupe ya résistance bima ba combattant ba bima na 2004 ba kolo Congo de Belgique après apparaît au pays bimi après ba kolo Congo ya Londres et puis il y a eu beaucoup de groupes de résistance. Vous comprenez? Pona parce que j'ai commencé par cette campagne là. Vous comprenez? C'est pourquoi na lobaka vraiment le mal congolais c'est que ba tuzela mutu akufa pour ba jeter ba fleur. Alors, vaccin COVID-19, qu'est-ce qui se passe réellement? Vaccin, il y a COVID-19. Oyebi, avant que leur ministre qui a un vaccin, avant de passer la campagne, la date, il y a une vaccination. Alors, il y a un expert. Et c'est un expert qui va vérifier qu'il y a un vaccin. Il fallait soit vaccin, après c'est un expert. Il va vérifier si le vaccin est malade ou malade ou pas. N'eût été que bah pays monsieur Europe n'a pas vacciné les petits Congolais seraient vaccinés. Dites aux Yangos déjà. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit que le chef de l'État n'a pas les gens pour l'aider. Ceux qui aujourd'hui s'il y avait même 3-4 morts, aujourd'hui comment le président serait impopulaire pour n'importe quoi là. Et c'est besoin d'aider, tu as besoin de président, besoin de président de la République. C'est un docteur. Oui, docteur. Dès que l'obéir. Attends, on vient à Poto.
Afin d'avoir un poto. Mais c'est grave. Yébisanga a sali 2 ans et demi. Il y a un projet, un plan, notamment un poto, un plan. Il semble même pas reconduire le gouvernement. Il y a un plan pour que les Congolais soient Bazokoufa. Est-ce que Covid est un peu de malaria? Non. Mais le plan, il y a un poto qui est malaria dans le Congo. Il y a un pays où poto, là il y a des cliniques. Il y a un ministre de la Santé. Il y a un Congo, il n'y a pas de clinique. Et c'est beaucoup réduire le nombre, il y a des morts combien de personnes quand il n'y a pas de soins cliniques. Moi, je ne suis pas médecin. Mais dans le pays, nous du monde, où ils ont organisé, il y a des cliniques. Cliniques et puis ça va soins préventifs, vous comprenez. Cliniques et puis ça va soins cliniques. Cliniques, par exemple, si vous avez un passe, il est là. Dans la mouille, il y a un temps, il y a une clinique. Vous comprenez. Il y a une clinique, il y a un examen, il y a un kit, par exemple, il y a une malaria, il y a malaria dans la zone qu'on a vendu. Maintenant, comme il n'y a pas de clinique chez nous, au pays, il n'y a pas de clinique, bon, on peut zater, moutou avant, il peut être petit, comme ma casse, 4 jours, une semaine après. Allez, alors, si on a un bon côté, moi, je suis allé dans la moto. Je suis allé à l'hôpital, dispensaire, je ne sais pas, je suis allé à l'hôpital, je suis allé à l'hôpital. Il y a pas la balle. Je suis allé à l'hôpital, je suis allé à l'hôpital, après, moutou avant, koufi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de clinique. Il y a une hypothèse de la clinique dans les un pays ne peut pas résister, vivre sans clinique, c'est impossible. Mais on programme. Et puis, par exemple, le programme du gouvernement vient du gouvernement. Au tu es l'Afrique du Sud, par exemple. Moi, je viens de l'Afrique du Sud. Clinique, ils ont un quartier. Combien ils ont la clinique? Et les soins médicaux sont gratuits. Vous comprenez? C'est pourquoi toi, la mortalité, ils ont toujours nassé. Hein? Vous comprenez? C'est pourquoi les Nathalie, quand on a Covid, on a un balan, on a pris un côté ministre de la Santé 0 sur 10. Pourquoi? AstraZeneca, Zolobawana. Avant que le pays, Danemark, France, il y avait déjà des pays avant. Pourquoi Bissot vous a toujours obligé à copier au minier de Bossal? C'est ce que moi je ne comprends pas. Au niveau de Tiens, on va chercher les pays qui ont proposé des produits dans le monde, mais le gouvernement a mis en place ça. C'est ce que Laurent Désiré Kabila disait que vous devez vous faire respecter. Il faut se faire respecter. L'Afrique du Sud, avant le pays au Porto et Boya, l'air AstraZeneca va tenir en Afrique du Sud. Afrique du Sud, gouvernement azui, a pèsé en haut, va chercher na bango. Balobi bien que, oh, y a ces années, ma cassité, t'as ça, les langos, t'es pas donc ça qui en haut. Est-ce que mais, le ministre était informé, mais il y a un demi à ces années, ah, va vacciner par Congolais. Et puis le ministre a dit ceci, je vais vous dire une chose. Il a dit que les variants sud-africains, oh, deuxième vague, il y a Covid, et c'est manifesté déjà dans le Lubumbashi. Vous comprenez? Mais un demi va vacciner par Congolais, Nani, vaccin. Pendant que, ayez bien que les variants sud-africains, Nani, AstraZeneca, vous allez comme côté la variant sud-africaine. Vous vous comprenez? Mais il y a un demi qui a tout vacciné par Congolais dans sa campagne de vaccination. Pourquoi? Est-ce que vous voulez voir Congolais ou vous voulez voir Congolais Babika? Le président était formel, dans Brazzaville. Alors, le vaccin est incontournable, mais tout ça, qui s'est dit que vous avez documenté en Congolais, ils ont soigné bien. Donc, privilégié d'abord. Oyo, il y avait ça Congolais avant tout que de la vaccin. Tout à l'heure, il y a des effets et copé ça dans le pays où il y a des effets. Il n'y a pas d'effets secondaires. Il y a ma bien, de tout ça, puis vaccination. Mais vaccin est malamment quoi. Le ministre dit voilà, il faut te vacciner, tu vaccines tous les 15. Mais ce que le docteur Moba Koumisaki a oua, Jérôme Mouniangi, a raison, il y a ce qui est mal à Covid, a sali, explore dans Madagascar, depuis Bayana, il y a un monde qui m'a envoyé des pèses. Alors que c'est l'implantation IDP, c'est la manière, ma petite gare cortée, j'ai un bon abat soldat, où ça n'a pas été. Non, c'est quoi? Oui, AstraZeneca. Astra, c'est un citoyen suédois. Comment est Astra? Zeneca, c'est un Britannique. Le côté pas Mindele, il faut tout accepter. Déjà bien. Oh, il y a eu Madagascar, c'était un bâtiment Pimbeni. Ils ont bien été. Mais il y a eu le docteur, il semble qu'il y a eu le docteur, il semble qu'il y a eu. Est-ce que ma petite gare moyen? Est-ce qu'on a pris tous les moyens? Est-ce qu'on lui a fait confiance? Il y a une politique en Occident que, bon, dit Mario, on saute la poto. Oui, les meilleurs vaccins, les lois, ils ont eu il y a Russie. Mais les pays, oh, il y a eu ce trop en côté. Pourquoi? Parce qu'il y a la dictature occidentale, l'impérialisme. Bisoton dit Mario, on saute la poto occidentale. Alors, une dernière question. Si on a eu le vaccin chinois, on a eu un problème. Dernière question pour clôturer mon COVID-19. D'abord, gestion de COVID-19 dans le Congo est posé problème depuis le départ. D'abord, le 10 mars 2020, lorsque va annoncer détection à quel bosso à COVID-19. Docteur Eteni, à sa deux communications même jour. Aïe, il bosso, non, tu détectes quel bosso à COVID-19. Il revient, je crois, une heure après pour dire que non, il a le coup.
ils ont le COVID-19. Et il y a un moment à se rattraper les sources. Non, ils ont réellement le COVID-19. Et Moutoua Zaki, soi-disant infecté ou contaminé le COVID-19, on a un moment où on a un moment où on a un en quarantaine. Tant que Bimi a zongi poto, a sa déclaration que non, bah, quand c'est bien, qui dans le côté, bah, influence, qui est dans le balo. Dans ma cambo, nous sommes, comment va Congolais, bah, croire que COVID-19 réellement est en amour? COVID-19, COVID, ou ana, bah, intimider la population. Vous comprenez? COVID, c'est une réalité et j'ai existé. Mais le COVID au corona, ça ne tue pas plus que la malaria. Vous comprenez? Ils ont fièvre, moi, vous voyez, ils ont tout sauvé, tout sauvé. Oui, mais mon délire, bah, vous faire même pourquoi? Parce que, bango, bah, expérimenter, bah, fièvre, au col, la bisoté. Mondial n'a comment jamais la 38 degrés, 39 degrés, il y a l'été. C'est toi les maladies tropicales. Les maladies tropicales, la malaria, la typhoïde, la fièvre, la biseau, 40. Vous comprenez? Parce que nous autres, on a bu ceci et ça, la diable exercice ou en amingi. 40, mais on a un tambour. Ah, un tambour. Ça veut dire que le Covid, comment ça peut faire voir un tambour, on a un peu obligé. Oui, mais le bitame, docteur, moi, quand même, mais il y a combien d'années? Voilà. Nous avons un Afrique du Sud, j'ai travaillé quelque part, il faut que nous avons testé le bateau, la température. Si on a 38, et puis si rouge, le thermomètre, on a un peu de soucis. Bah même la quarantaine, on se comprend. Finalement, quand peut-être dans ce jour-là, on a sous le soleil, bah on a 38. Mais tu n'as qu'à rentrer. Il faut qu'il y ait un peu de rentrer. Il faut qu'il y ait un peu de rentrer. Il faut qu'il y ait un peu de rentrer. Il faut qu'il y ait un peu de rentrer. J'ai fait ça seul. Je suis en Zungu et Toki a fini l'ouverture comme ma grand-mère me faisait à l'époque. Le matin, le soir, le matin, le soir. Pour transpirer, mon Mosili. Vous comprenez? Si vous avez la COVID, c'est vrai, Zali. Est-ce que la mesure va respecter? Ah, tu as le procès, oh, y a bateau, y a nani, y a nani, y a détournement. En fait, entre guillemets, y a détournement, y a bon, y a nani, y a. Gratuit enseignement. Tu as le procès, oh, y a banani, oh, y a koufa, qui mouken, ceux qui n'est. On prend les mêmes micros. Les avocats utilisent un même micro. Non, non, micro de qui musique. Bima kana barabara tala ba. Est-ce que mais tu vas bien y transco, ndé bot bakana kati. Mais na ibisho soki go vite za kan. Et pas na biso ninga na porte mais biso tout okufa. Tala discours ya nani ya président ancelé. Au moins batwa za bakanga ma batwa za na corona. Très bien. Alors, hein? Émission comme toucher na souka tozwa dernier thème, ce n'est même pas un thème mais toute la réaction na yo par rapport ya émission précédente. Nayamba kio oyaki o salaim sur la révélation makambo ya ba origine ya Kabila liwa ya Laurent Désiré Kabila et bande ko belo va réagir un peu. Parmi eux je cite les, un ancien major Pascal Kalonda à Bruxelles habi a travaillé d'abord comme Laurent Désiré Kabila en 2010 alors 2016 ndake na epoto alobi boy Étienne Kabila na entourage ya Laurent Désiré Kabila baye bioti. Information au président ah que yo on a travaillé na renseignement na présidence à Bézalo Kouta. Bah yo ni na renseignement militaire ni na renseignement civil je crois. Étienne Kabila au cosi biso ah que Joseph Kabila za mwana ya Moïse Kabila ti. Alobi na ngai to luka documentaire ya Mobutu roi du Zaïre. Donc mon jour Moïse a porté serment la stade derrière lui. Janet Kabila était là. Alors qui dit vrai, qui dit faux na makambo? Oui oui le Cambozono va aujourd'hui batnak na minorité nous poser va question na majorité de plus de 100,000 personnes bandimi ango poser question là tu poser là oh la fine minorité d'accord j'accepte oyebi comment les questions autour nous là et ça loco la oyebi si fanatique ya veya qui mazembele qui veya d'abo yam ako beta yo veya azana coupe moko d'Afrique vous comprenez une coupe d'Afrique ya kalapé. Mazembe a 11 Coupes d'Afrique, a gagné 5 Champions de Ligue, a gagné 3 Confederation Cup, a gagné 3 Super Coupes, ça fait 11 Coupes d'Afrique. Mais yo, bimana balabalo, ça fait un truc avec, okay, voilà, Mazembe le qui veut. Cela veut dire que si fanatique, je vais répondre. Fanatique, je vais répondre. Fanatique, je vais répondre. Donc, tu vas répondre à tout le monde. Mais mon ta boîte. Garde républicaine, Il a dit que l'état de droit est fâché. Joseph Ayahawa, à qui la justice a porté un plainte, que je suis menteur.
que on s'assure que les affiches albumaires vont être capables de le couper. Aya, des choses là bango. N'alobaki est si famagne à ça qu'il est en prison. N'alobaki si famagne n'est pas la mère de Joseph. Albinio sont allés le couper. Mais bah il a reporté une plainte. Son accusé. C'est tout. Ça on portait une plainte de justice quoi, quand est-ce qu'on m'a capturé? Ça maintenant on reporte le bateau, toi là, nion, ce titre qu'on les marre, la réponse voilà. Vous comprenez? Ngana vandi awa nakima nakila fuzi na zongi awa pour to comme quoi aspirer l'état du droit. Vous comprenez? Bazo kan ça batu musoro kan ça o batu azolo ba c'est tout na Lubumbashi. Oh Joseph mutabenga qui était nawa est présent Fachi ndia benga qui est pour salir Joseph Fachi a benga ngata. Nana pute ne répéter. Vous comprenez? A côté langa pété, OK na justice porte une plainte. Et puis pas porter une plainte. Pour nani? Ce sont des fausseurs. D'abord pour traduire mon temps, je suis faut tiens identité na vraie. A côté Yanni, Joseph Kabila, c'est pas, il ne s'appelle pas Joseph Kabila. Oh, et vous avez plainte aux annonces recevables. Au moment qui va tout le monde va porter qui plainte petit Ibrahim Awa. Oh, bah, une fille qui parlait dans il parlait un français qui est semblable. Il parle dans une langue qui est semblable au français. Hein? Alors, bah, oh, voilà, nous sommes tous de la famille, des grandes familles Kabila. Aux la famille Kabila, aux la papa Nayo. Oh, c'est quoi, comment la famille Kabila? Papa n'est pas loin de la famille. Alors, c'est une nièce. T'es à la famille nièce, c'est ce qui n'a, mais nous sommes tous de la grande famille, ça veut dire quoi? Hein? Famille Kabila Zali, famille Zali, yo sikoyo, oye Joseph Olobino, Etienne Alobike, Oza Rwandais. Vous comprenez? Aye, justice Zali, awa. Na oki mapete, ata ozo yobi adresse nangai te. C'est pas important que oh, bon ou kangai. Ore ksa communiquer la télévision, na oken. Obi la flou du sulé bakangai nga. Na bakangai te. Le balobi Etienne Kabila, ala recherché par l'Interpol, azo préparé coup d'état. Na moko na kenda na nanani na nanani na nanani na na la police. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Oebi. Il y a un jour, il était combattant, il était brillant. Non, il faut jeter les fleurs moutou, les azobou de la pône en bocan. Et moi, nous vivons. Il y a un Afrique du Sud. D'abord, le combattant a eu des pèses. 2011, il y avait plus de 5 personnes. Mapima, Jacob, Kayembe, JP, Kakesa, Simon Bouy, qui encore, Manyema. Bakanga sur la prison. En 2011, Bakanga a bulletin de vote où ils avaient déjà voté Kabila dans l'aéroport. Il y a un simat à l'aéroport, il y a Johannesburg. En 2011. En 2011. Élection, il y en a un président, et tu sais qui dit, na vous comprenez? Bakanga Bango. Afrique, vous êtes Bakanga, vous vendez que vous êtes bien à Kachor. Bakanga, ils ont torturé pour l'avoir étranger. Ce n'est pas comme en Europe, Bakanga, vous êtes combattant, Bakanga, vous êtes bino. Vous comprenez? J'ai fait la prison avec ces gens-là. 19 personnes sont en prison, plusieurs ont filé. T'as la torture dans la prison. T'as sali prison, il y a offélé pour un bon cannabis. Vous comprenez? T'as sali dans la prison, il faut la torture, il faut torturer dans la prison. Vous avez dit que vous avez bouclier, vous avez bouclier, électricité. Vous avez bêta ba congolais, vous avez dit que vous avez bêta bango, la prison. Torture dans la prison, vous avez mis les bandes, vous avez stress, vous avez dit que vous avez un problème. Jean-Paul Kayembe, Akoufa, AVC. Mapima Jacob, Akoufa, AVC. Vous comprenez? Si vous avez un combat, vous avez un combat, vous avez un combat. Vous avez un combat, vous avez un message, vous avez un message, la télévision, vous avez un président, vous avez un président. Mais si vous avez un combat, vous avez un télévision. Vous combattez un combat, vous avez un combat, vous avez un combat. Pourquoi? Parce que vous combattez un poteau, vous avez un retour dans la présidence, vous avez un poste, dans le ministère, les combattants de l'Afrique du Sud, vous avez un combat. On dirait que vous connaissez la valeur de la banque. On dirait que vous avez un combat. Vous comprenez? Dès que vous avez une question, par exemple, vous avez une colonie. Vous rencontrez les gens qui ont été renseignés. Vous avez un renseignement qui est un renseignement pour la présidence. Vous avez un renseignement. Est-ce que vous avez un renseignement? Il faut que vous ayez un militaire. C'est ce que j'ai dit. Un renseignement, il faut que vous ayez d'abord. Donc, il faut que vous ayez un. Parce qu'un agent de renseignement, il est un service secret. D'abord, il faut que vous ayez un renseignement militaire, civil. Vous comprendre que. Si on revient à la présidence, la présidence c'est Nini ou Azolobela. La présidence c'est un angle vaste. Il y a Laurent Désiré Kabila. Par le service à renseignement, c'est un angle ébélé. Le service à sécurité, c'est un angle ébélé. Il y a ce qu'il y a, il y a ce qu'il y a, il y a ce qu'il y a, il y a ce qu'il y a. C'est ça que j'ai dit. Est-ce que je suis sans. C'est Yoye Bakinga. Attaque Yoye Bakaga, il y a Etienne qui existait. Même pas dans le service. Non, 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 non. 2000, Yoye Bakanga. 1999, Yoye Bakanga. Il y a Etienne qui existait. Yoye Bakanga. C'est un phénomène qui est battu sur tout. Service de sécurité, ils ont le collègue à l'aide pour battre sur les billets. Ils ont déjà une erreur grave. Soit l'équipe.
Kalibana leki. Soit dans un Yohana. Oui, bien tout canaille. Non, n'a pas d'accord sur Baïbi. N'a pas premier bureau, deuxième, troisième bureau, premier sur Baïbi. Donc ça, c'est qu'il était né. Et ça, vous comprenez. N'a pas de bien à dire. Moi, j'étais coordonnateur national de l'enseignement. Et ça, il y a un réseau informel. Il y a président de la République. Ça dépendait du président de la République. Mais pour eux, il faut au Salananga. Soit Rubina. Hein? Yo, Zoboyake, Joseph, Jeannette, Zoé, Baba, Namouzete, Marbi, pour y aller, Yébike, Joseph. Jeannette, Zoé, bana biologique ya muzi bafani na nda kumoko la kwe vane yo o telefone adam bala moko tina muzi nda kumoko. Oye bi, na yusso, oye bi, ona, to ki sa nivoye debate. Ozo comprenne, so veno ba, les individus la doba to ki sa nivoye anani ya emission. Ozo comprenne, cela veut dire que, nga la lobi que Joseph n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila, n'est-ce pas? Mais Joseph a confirmé que moi je suis le fils de Laurent Désiré Kabila. Ah bon? Oui. Ouapi. Oye pa mwana mte? Mais quand il m'a envoyé des émissaires pour faire la paix avec moi, cela veut dire quoi? Oh, est-ce qu'on peut négocier avec un imposteur? Tout le Lukabango reste. Et Bélé Bazalaki. Quand au Kolokamutubo, quelqu'un sur YouTube, tu vas me voir, je suis ici au milieu, Frédéric Kitenge à ma droite, Francis Kalombo à ma gauche. Francis Kalombo à mon croisé, on a Moïse Katumbi. C'était faux père, quoi. Avec proche à Joseph. Moi, j'étais là, Francis Kitenge m'appelle, il me dit non, Joseph Atindi, Francis Kalombo, Bosolana, pour faire la paix. Et moi, il y en a combien? Des millions de dollars pour Natika Kolobaki. Joseph, c'est un Rwandais. Donc, Francis Kalombo, Ayaki Nambongo, Yakabila. Pour que je dise que. Otika Makelele. J'ai dit ceci. Vous allez vite en besogne. Francis Kalombo, Aya. D'abord, j'avais accordé une interview à Frédéric Kitenge. Dans la chambre d'un grand hôtel, Kitenge, tu fais une interview. Juste après l'interview, Azui, dictaphone, là, a dit à Fongo Liango, voix dans les Zoroba, à Bengi, Ouvil Moleka. Ouvil Moleka, écoute un peu ça. Vous virez les Kayouki. Non, ne fais pas passer cette émission-là. Je vais parler au chef. Qui te dit, tu vois. Par contre, déjà, Robang. Deux jours après, Frédéric Kitenge m'appelle, non. Frédéric Kitenge, na Sololi, na président Azor, Ali Bino, Azotina Francis Kalombo, ici en Afrique du Sud. Le lendemain, il faut tout ça interview, Moussou, sur Frédéric Kitenge, l'audiovisuel. Ah, il y a Francis Kalombo. Qu'est-ce que Francis a dans l'aéroport? Et Francis m'a dit, il était clair. C'était pour faire la paix avec Joseph Alobi, non, Natika Koloba, qui est un Rwandais, Nandima, que Nalobake, ce sont les policiers qui nous cherchent, qui nous disent. Donc, on a un message à Joseph Kabila, transmis par Francis Kalombo. Mais il est sur YouTube, mon frère. Il est sur YouTube. Tant que vous reconnaissez, il y a été, il y a un peu de pembe ma casse. Sortez du vidéo. Parce que les gens qui sont à Kinshasa, il fallait se déguiser. Vous comprenez? Parce que le mot d'ordre de Bapé, ça qui est à Kinshasa, c'était que, ce n'est pas qu'un kaka. Hein? Celui qui était chargé, c'était Zoé. Zoé Kabila. Moi, je me battais sur la vérité sur la scène de notre père. Soit ils ont dit moi à Kabila. À vous raconter pourquoi. Soit Joseph a dit moi à Kabila. À vous raconter moi pourquoi. Vous comprenez? Zoé a dit que c'était son sécurité. Après, c'est un mot d'ordre. Le mot d'ordre était quoi? Soit vous canguillez. Vous bêtiez ma sens. Dans le cœur. Vous comprenez? Vous canguillez photo. Après, vous canguillez un sac. Vous voyez un fleuve. Vous comprenez? Mais Bazo Lukanga. Vous comprenez? Cela veut dire que ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que fanatique, vous avez dit. Mais si vous êtes fanatique, vous avez tout le monde. Vous avez dit que 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 Joseph, avez dit que vous 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 avez dit que mais à l'objet, il y a une identité, je crois qu'il y a un chauffeur, il y a chauffeur, il y a Laurent Kabila. Donc, il y a un chauffeur, il y a un chauffeur, il y a un chauffeur, il y a une discrétion. Mais c'est quoi? C'est une contradiction. Si on a un chauffeur, il y a un chauffeur, il y a un chauffeur. Joseph, c'est suite à sa fonction. À sa général, il y a un chauffeur. Vous comprenez? Tout le monde s'en va. Quand mon père est venu, il avait d'abord mis fin sur les rênes des touchables. Sur le trafic d'influence. Sur quoi ses enfants devaient servir de modèle. Il fallait aller à la Saddam Hussein, au temps de Mobutu, pour que l'enfant de Kabila. L'homme fort. Moi, j'ai travaillé avec l'ambassadeur Moulongo, Freddy Moulongo, Moulunda Mukena. Ses enfants sont ici à Kinshasa. Sans l'investigation, Lukabana il y a Freddy Moulongo, tout le monde, si on n'a pas travaillé avec lui. Avenue de l'Équateur, ils ont A, on a Gombe. Au Kenya, avenue de l'Équateur, il m'a des U. Ils ont sur l'avenue de l'Équateur. Vous comprenez? Des places cabinet de l'ambassadeur itinéraire, ils ont là. Azaki na préparation Misato. Azaki na groupe, il appelait ça ICA. Izaki ONG naye, conseil d'appui aux initiatives Kabila. ICA. Initiative Kabila. Azaki na protégé Moussous ya diplomatie naye comme ambassadeur itinérant. Azaki na réseau Moussous ya renseignement. On ne dépendait que du président de la République.
Et là, moi, j'étais coordonnateur chargé des renseignements. Vous comprenez? Alors, il y a un bureau qui a la place pour tous en facilité. Il y a vous allez en contact facile avec nos antennes. Alors, ça vous coûte quoi aujourd'hui pour tout cas, tu as des banques, moi, Kabila. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour que tu aies un test à ADN Pena pour tout cas, tu as un Kabila. Au moins, tu as un Kabila. Mais le bami trop, Makambo. Nassi, dans le Bible, trop. J'ai parlé de la plus affluence avant de moi, un test d'ADN. Tu as un Makaba, non, mais on a été. Il y a des normes, il y a des procédures. Ce qui est par exemple, héritage. Ce qui est un héritage, il y a un héritage. 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 Vous comprenez? C'est alors que il y a un héritage qui a prouvé qu'il y a un héritage. Vous comprenez? Mais ce qui est un héritage qui a Joseph Boya, qui viendra? Personne ne viendra. On a parlé, j'ai parlé de ça depuis 2002. Joseph disait quoi? Les chiens à boire, la caravane passe. Même sous les effets de torture, Joseph a reçu un test d'ADN, mon frère. Il y a le bureau, tu as l'archive. Ah, quel est le test d'ADN? Tu as le discours d'investiture, le premier discours d'investiture à Joseph. Il était même incapable de prononcer le mot congolais. Qu'est-ce qu'il disait? Mes très chers compatriotes, congolais. Aksanaye. Oye kango. Akolimingi la Tanzanie. Tanzanie balo bakarete. Isa Rwanda. Tanzanie balo bakale. C'est parce que c'était un tout sur Rwanda. Vous comprenez? Ah aussi Dubaï. Où est allé tout passer mon Tout ça, c'est de leur droit. Pourquoi pas députer la pétition? Sauf que cette pétition, tu m'as dit, procès, mon souci, bandit, malamon, de qui a fait des Kabila qui ne l'est pas, qui a tué Laurent Désiré Kabila, ce n'est pas Rachidi, et ça, il y a Joseph, il y a Edi, il y a vraiment Laurent Désiré Kabila. S'il était fils de Laurent, il n'aurait même pas tué son père. Jusque-là, selon version, il y a procès au Tolanda, il va condamner un édit Kabila à Bourg-Pembe. Mais plan, est-ce que le procès est prévu? Le procès n'était même pas prévu. Ce procès arrive pour l'année. Après, là, Joseph a eu le pouvoir, Edi Kapend, Joseph a récupéré le pouvoir. Et Vandi. Edi Kapend préparait un autre coup d'État contre Joseph. Les officiers de la tribu Karunda, le général Yav, le colonel Hilaire, ils ont préparé un coup d'État contre Joseph. Dans la réunion, c'était Maman Wout, dans le village, je ne sais pas si 200. Si on a taillé un banal, ils ont préparé un coup d'État contre Joseph. Les offres d'informations en air, Maître Mboui, regarde, tout est vérifiable. Maître Mboui, Aïbsa Joseph, Poto Kangabango, il faut tout ça la nini, commission d'enquête sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Sinon, ce n'était pas prévu. Vous comprenez? Les bandits ont enquêté, ils ont patronné par qui? Pas les Zimbabwéens. Ils ont pas Kangaka, l'équipe qui a été capée dans la nuit, sont des procès à Laurent Désiré Kabila. Babando Kangabatu, ok, Bakangi, ok, Bakangi. Si vous avez été capée dans la Kangaki, et dit qu'à peine Joseph a bengué. Il a suivi un monde sur 50 soldats. À qui n'a eu à. Comme on a pas côté à l'Ibandati. Avant qu'on t'a révolué, on a eu un autre place. Il dit à côté, à côté, dans la salle d'attente. 30 minutes. Après, le président a bengué à côté. L'air à côté a sali 2 heures du temps. Pendant ce temps-là, l'Ibanda a battu un bimbe ou un gars présidentiel. Il a eu un soldat, il a eu un peine. Bozonga, dans la position de Bino. Bazongi. L'air dit qu'à peine à demi, il y a un revolver dans les athées, bagarre dans les athées. Panf, commission d'enquête. Bakangi dit qu'à peine. Sur place. Prison. Dernier Bakangi dit qu'à peine. Procès a été prévité. Et Zaki Kakapo, il dit qu'à peine à un coup d'état contre. Parce que Joseph Fabi, question à ça le procès. Soit ça le procès à Laurent Désiré Kabila. À ça la carte. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Émission, on a souka commentaire na yona titre journal Impact News il y a grand frère Nanga Joël Kadé voulant déstabiliser les pouvoirs de Félix Tshisekedi 2. Les plans macabres de Joseph Kabila mis à nu. Moi na katia za évoqué mon voyage né na Dubaï.
rencontre na yena président Zimbabwe, à quoi déplacement et Kabila et ko suscité Babilo Romodelo? Babilo ko nyonso bazolo ba wana na robaki amande pika. Nazai na fudu sira koma ki lete pona rencontre le président de la République. Na mon ezo me la vie, plan Joseph Anga anga exécuté en. Plan Anzani. Tikana kina pardon, tikana kina na Kinshasa. Na na komo wana ba. J'ai rencontré beaucoup d'autorités politiques militaires. Na zo expliqué bango, au moment Joseph Anga wana, ba soda ibere ba uti na Rwanda. Bauti na na pays on s'abandonne l'otique basa na minembwe vous allez comprendre baso préparer rébellion musobu na est pour Joseph Azala à l'abri défection ça na ba militaire on s'est fait RDC au batusi on s'est basé à CNDP M23 basa kuna baso longwa baso kendo wapi na ba troupe na ba armes na minembwe Joseph Azala préparer soit la session du Katanga pour se mettre à l'abri vous allez comprendre avant na ba nous expliquer bango les baso atoyé dit oh ça les logo mon côté pam il y a eu l'attaque à Bakata Katanga le 14 février. N'a pas expliqué Bango avant. Vous comprenez? Mais, Batumususu, si on a écouté par exemple, na, c'est qui c'est? Le ministre délégué à la défense, Sylvain Moutombo. Avant, Makamba Katanga, il y a un côté. Il y a un côté depuis avant, parce qu'il n'a pas expliqué que tout le monde a si on a écouté avant, nanini, le général ici, Christian Tchouéwe. Si on a été en avant, malheureusement, j'ai commencé à avoir même peur. David, finalement, je vais expliquer Bango, même ma vie me devient en danger. Parce que on dirait qu'on a dévoilé le secret de Mokoboye. Vous comprenez? Mais malheureusement, on a été en général Tchouéwe en retard, on a été en retard, mais on a été en retard, c'est ça l'ami, mais Dieu merci, il a informé que mon soupé a un plan macabre, plan démoniaque. Il y a Joseph. Je ne pense pas que Baksion est comme ça les matins. Mais Kabila, au niveau interne, vous présentez le roi Moutoumoua comme déjà affaibli. Bolongo lié à la garde républicaine, Botigeli à la policier. Ah, on a GLM, Bolongo lié à la barrière, mais comment jusqu'à ce jour? Mais Bilo, que ça les mis en FCLM, c'est pas comme ça, c'est ça les mis déjà. Parce que Baïba va comprendre déjà le plan. Vous comprenez? Mais Joseph, Azak n'a net tué qu'à mon nez. Il a fait 18 ans au pouvoir. Et puis, tout si Azamoua a mouqueté. Hein? À network. C'est pourquoi, si le Joseph Azan a influence ma casse dans le service de sécurité, Azan a influence ma casse dans l'armée. C'est son network à ça là qui. Vous comprenez? Alors, ça doit prendre un peu de temps pour qu'on déboulonne le système en agnonso. Ils ont étape par étape. Vous comprenez? Je vous dis que Naïf, c'est une autorité politique, mais il était plan ébélé avant. Bah, non, je me dis que Azan peut-être ma complice. Si on a écouté un général Tchoué, si on a écouté un ministre avant, ma cambo ébélé, je vais le ça les matins. Parce que j'ai senti la bonne volonté. Parce que quand tu as un tu vois que c'est un jeune homme très cool, sympa. Il prend tout son temps pour écouter. Banal, je vais vous expliquer. Tu as ce ici, à Zoro Kangaka. Nassis, il me dit, Etienne, tout ce que tu dis là est vrai. Tu as ça pour n'aboyer, pour n'aboyer, pour n'aboyer, pour n'aboyer. Tu vois. Même si vous avez expliqué, ah non, bah, ça est le côté. Tu es bien. Mais après, bah, t'as qu'à alors, dernière question. Est-ce que l'installation de Joseph Kabila à niveau de Bumba, Chikuna, ils ont un agenda caché, moi? Mais bon, comment on a encore? J'espère que Batouaza déjà alerté, service à renseignement, service à sécurité, va contrecarrer ma plan à l'agnonce. Très bien, l'émission est terminée, mais est-ce que tout le monde a une ancienne première dame Mamoli, va zonner la Kingaka, tu vois, après ça, t'as un beau dedans. Belle sœur. Oh, c'est pour ça que je disais une fois que ce que mon père disait quoi. Il disait quoi? Les bajouettes vont tourner à la question à la première dame. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Il disait ceci. Si la mienne était la première, laquelle serait la dernière? Ah! C'était ça la réponse devant Isaac Abela devant la presse. Vous comprenez? Sur le premier dame, vous avez un gars ancienne dame. Il y a ancienne première dame de la République. Il y a la réponse de la première dame. Vous avez un gars qui a mon frère. Il y a un gars qui a dit que c'est un gars qui a pour la Nini parce qu'ils ont un combo à Mindele. On doit se souvenir que, dans l'époque, Yannick Noah, ça la. Succès dans la basket, dans le tennis, Yannick Noah. Bana ebele ba bota ba sa ngumba ya Yannick. Vous comprenez? Ndebiso ba fike bizana complexe wana tu. Vous comprenez? Première dame, deuxième dame, moi je ne sais pas ces histoires. Bon, il faut que paye sa belle sœur en beauté. A zongi de na kingakati. O mobile ni akimi maye, a zongi déjà na Kinshasa. L'émission est terminée, alors Étienne Kabila en quelques secondes. Caméra en mode bosso na ol, il obasuka na ba autorité. Pe na ba ndeko nyonso ba talu à travers le monde. Au fait, dans l'autorité, tu as couru derrière les portefeuilles. Si vous avez un projet, vraiment pour le plan, pour le gouvernement, gouvernement, Tika. Quand tu as posé la mise, c'est pour la combo kaka. Et ça, tu as un président de la République, T.
bazava comme un minéné. Vous comprenez? Na histoire en Mboka Biso, Patrice Emery Lumumba, à l'équipe président, nous on a renommé. Mais il n'avait jamais été président de la République. Hmm? Ce n'est pas forcément qu'il y ait un président, qu'il y ait un président, non, au cours de l'histoire, il y a bien sans que tu ne sois président de la République. Les gens qui sont allés à l'équipe président de la République, ça l'a payé de l'autre côté. Il y a un mabé. Vous comprenez? Il y a un ministre de l'autre côté, il y a 0-0-0-0. Il y a un mabé. Donc, l'histoire n'est pas un mabé. Sur le rôle de l'Amérique Rouge, il y a une question sur le rôle de l'Amérique. Joseph Kabila, vous pensez combien d'Amérique Rouge? Bon, si vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que parce que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que Joseph. Mais c'était une occupation. Na côté pourquoi? C'est une occupation rwandaise. Vous comprenez? Faites au bout de une occupation. C'est que moi je déplore les lots. Au moins, vous avez vu que vous avez vu que vous avez Joseph. Vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous comprenez? Vous avez vu que vous avez vu que vous avez. Vous comprenez? Si quoi le lot, Fachia comme président de la République. Vous avez appuyé tes points. Il n'est pas complet. Alors, il y a tout boya. Donc, beau et déyé. Pour tout changer Mboka. Ce n'est pas question de mandat. Ce n'est pas président, ce n'est pas comme président de la République. Non, le Congo appartient à nous tous. Étienne Kabila, merci de votre passage. C'est moi qui vous remercie. Fin de cette émission. Merci de votre sympathique et réelle attention. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.